Mais quelle est donc cette alarme qui a retenti vers 14h30 pendant près de 45 minutes, audible dans une grande partie du centre-ville de Tours? C'est une question que de nombreux tourangeaux se sont posées. Oui, j'ai une amie qui m'a envoyé un message quand j'étais à la fac. Du coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Enfin... Je ne sais pas, je pense que c'est la sirène qui est sur le bâtiment en face. Là. D'accord, ça a duré à peu près combien de temps? Trois quarts d'heure, une heure. Le préfet a très rapidement tweeté pour rassurer les riverains. Et la cause a été trouvée derrière la caserne des pompiers de Tours-Centre dans le quartier Sanitas. Je pense que c'est un déclenchement intempestif puisque ce n'était pas du tout programmé. Tours Habitat ne maîtrise pas bien évidemment le déclenchement de cette sirène. C'est une sirène qui est là pour avertir la population de dangers graves. Bon, là, cette sirène est en essai tous les mercredis du mois à midi. Là, aujourd'hui, c'était bien le premier mercredi du mois, mais c'est déclenché dans l'après-midi. Les pompiers ont reçu plusieurs appels de riverains inquiets, mais le désagrément s'est arrêté vers 15h20 grâce à l'arrêt de la sirène par les services techniques de la mairie.